À toi, ouais. Voilà, bonjour. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai quitté la Suisse, plus ou moins. Nous sommes lundi. Ça fait 6 jours maintenant que je suis sur cette île qui s'appelle l'île Lofanga. 800 habitants, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. C'est le dernier relais avant l'île Tofua que je n'ai malheureusement pas pu rejoindre jusqu'à maintenant à cause des conditions de l'océan. Beaucoup trop de vent, ce qui fait des creux énormes. L'île Tofua est à plus ou moins 70 km d'ici. Et à cause du temps, ben, on ne pouvait pas la voir. Maintenant, ça fait 6 jours que tous les matins, je viens pour regarder l'océan, pour voir si j'arrive à voir l'île Tofua. Et eh bien, c'est le premier jour que je la vois, donc je suis vraiment content. Et on verra si aujourd'hui, on peut y aller. Un truc que je trouve intéressant, c'est que j'ai un petit peu la connaissance de la montagne et je m'aperçois que l'océan, c'est exactement la même chose. C'est pas nous qui décidons, c'est vraiment l'élément qui décide. Et puis si je dois attendre ici encore 5 jours, eh bien j'attendrai 5 jours. Hein. Donc j'espère demain Tofua. En septembre 2008, j'ai quitté la Suisse et son confort pour passer 10 mois en solitaire sur l'archipel des Tonga, dans le Pacifique. Pour vivre, j'ai emporté une machette et mon couteau suisse. J'avais aussi avec moi une trousse de secours, téléphone satellite, panneaux solaires et batterie pour alimenter en énergie ma caméra et mon appareil photo. C'est un rêve que je voulais réaliser, ça fait 14 mois que je travaille pour le faire. Eh bien là j'y suis. Je crois que j'ai pas fini de rigoler ici. Je crois que le plus important c'est de vraiment rester zen, puis de garder son calme. Parce que quoi que tu fasses, de toute façon t'es tout seul. Hein. Bienvenue à Tofua. On voit ma valise là. Le porte-sac, c'est dans le terrain là, c'est impossible à porter. Impossible. Oublie. Ben, on va commencer par le début. Peut-être déjà essayer de me trouver une coconut à me mettre sur la dent. Là, je vois qu'il y en a là-haut. Dès mon arrivée, je savais que mes deux plus grands problèmes seraient de trouver suffisamment de nourriture et d'eau potable. Bon, j'ai déjà fait ce qu'il y avait de plus urgent, c'est-à-dire manger, boire, surtout boire dans les noix de coco, manger aussi. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que ça va. Jusqu'à demain, c'est bon. Et puis, faut parler plus urgent. Donc, j'ai pas filmé quand je l'ai fait. Et je me suis bien amusé, vous inquiétez pas, je vous montrerai. Je pense que je vais en faire des centaines de fois. Les vertes, en fait, c'est le meilleur. Parce qu'elles ont plus d'eau possible. Elles sont pas sucrées. Et puis, c'est moins. Ça te donne moins la chiasse. J'ai rencontré une personne avec qui j'ai discuté un petit peu, qui m'a gentiment fait comprendre que avant de courir, faut apprendre à marcher et que je suis pas un survivor du tout à la base, je suis un snowboarder et qu'il n'y avait pas de honte à prendre un fil de pêche. Donc il m'a donné ce fil de pêche. Même chose pour le feu, il m'a gentiment fait comprendre que je pouvais pas arriver là en 3 jours et puis faire mon feu, faire mes machins, être le grand pacha, non, ça faut apprendre. Et j'ai 10 mois, donc ces 10 mois-là seront là pour apprendre. Puis j'espère le plus vite possible ne plus avoir besoin de ça. Jour 1. Ouais, c'est pas évident quoi. Même avec la ligne, heureusement j'ai pris ça, mais même avec la ligne, je pêche rien. Ça fait depuis ce matin, depuis le lever du soleil que je suis là. Hier soir, même chose, il y a très peu d'images, je suis désolé parce que je dois d'abord moi arriver à survivre avant d'arriver à le montrer si tu veux. Et puis les noix de coco que j'ai pu avoir, bon ben ça va bien, mais du coup j'ai chopé la diarrhée parce que voilà, les noix de coco trop vieilles, c'est laxatif.
Donc voilà, je suis appelé la diarrhée, donc faut que je boive plus. Et heureusement que je suis encore à Okula, à 10-15 minutes d'ici, il y a l'ancienne école qui elle contient encore un tanker. Donc c'est toutes des sécurités que j'avais pris qui en fait me servent énormément parce que voilà quoi. Il y a des moustiques partout ici, c'est infesté. Si j'ai pas l'eau du tanker, je pense que dans 2 jours, je plie bagage. Enfin, tu vois, je crève de soif, quoi. Et peut-être dans 3 jours, je suis loin, quoi, parce que j'aurais pas réussi à m'adapter, quoi. Vraiment pas réussi, tu vois. C'est chiant. Mais bon, on verra, on a encore un peu de temps. Dès le lendemain, j'ai installé mon panneau solaire pour charger la batterie et je suis reparti pêcher. Au coucher du soleil, j'avais toujours rien attrapé. Mais juste avant d'abandonner, j'ai attrapé mon premier poisson. Et en plus, il était suffisamment gros pour me nourrir pendant les 2 jours suivants. Bonjour, bonjour. Ah, c'est bourré de fourmis. Ça se trouve, il est immangeable, mon machin. Ah ouais, c'est clair, elles l'ont trouvé, quoi. Et pas qu'un peu, quoi. J'avais pas que des amis sur cette île. Il fallait que je trouve un moyen de préserver ma pêche. Chez nous, en Valais, les anciens utilisaient 2 procédés pour conserver la viande. Le salage et le fumage. Alors, le but est de faire un fumoir, vu que j'espère choper plein de poissons. Alors, comme ça, j'ai un fumoir. La construction du fumoir m'a pas pris trop de temps. Ça fonctionnait parfaitement. Mon grand-père serait fier de moi. Pendant les 2 premiers jours, je dormais comme je pouvais, en m'abritant sous le tronc courbé d'un cocotier. Mais bon, j'allais pas passer 10 mois comme ça. Je devais me construire une cabane. J'ai commencé par le toit. J'ai essayé plusieurs techniques pour que ça tienne. Les lanières de cocotier tressées, des jeunes ou des séchées, le blocage classique, le moins classique. Pour la couverture, j'ai mis des branches de cocotier que j'ai tissées entre les lambris, en espérant que ça prenne pas trop long. Et en 4 jours, mon abri était terminé. Je pouvais passer à autre chose. Mon gîte assuré, il me fallait encore accomplir un rituel important pour me permettre de vivre au rythme de la nature. Je devais arrêter le temps. Le truc, c'est qu'il faudrait trouver une place cool. J'aimerais bien qu'elle ne soit pas trop loin de l'océan. Pour même sous terre, qu'elle soit bercée par les vagues, c'est beau. Maintenant, on est parti pour bien 9 mois et 20 jours d'expédition où j'ai arrêté le temps. S'aimer des vents.